Les régions françaises. La France est divisée en 18 régions, que nous allons voir maintenant. La région Île-de-France est la région autour de Paris, la capitale de la France. C'est la région la plus peuplée, près d'un Français sur cinq vit en Île-de-France. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région la plus peuplée. Son chef-lieu est Lyon. Les Hauts-de-France viennent ensuite, avec Lille pour capitale régionale. La région Nouvelle-Aquitaine s'étend sur une bonne part du sud-ouest de la France. Son chef-lieu est Bordeaux. La région Occitanie est l'autre région du sud-ouest de la France. Sa capitale régionale est Toulouse. Dans le nord-est se trouve la région Grand Est, avec Strasbourg pour chef-lieu. Ensuite vient la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le sud-est, sur la mer Méditerranée, dont la capitale est Marseille. Au nord-ouest se trouvent les pays de la Loire, avec Nantes pour chef-lieu. La Bretagne, administrée par Rennes. Et la Normandie, avec Rouen. En France métropolitaine, reste la Bourgogne-Franche-Comté, dont le chef-lieu est Dijon. Et le Centre-Val de Loire, avec Orléans. Ainsi que la Corse, dirigée depuis Ajaccio. Viennent ensuite les régions d'outre-mer. Dans les Antilles, la Guadeloupe, dirigée depuis Basse-Terre. La Martinique, dont la capitale est Fort-de-France. Et la Guyane, avec Cayenne pour chef-lieu. Et enfin dans l'océan Indien, la Réunion, dont le chef-lieu est Saint-Denis. Et Mayotte, dirigée depuis la ville de Dzaoudzi. En résumé, les 18 régions françaises sont Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Grand Est, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Corse, et en Outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte.